fameuse relation. Et à partir de cette fameuse relation, nous allons bien sûr calculer la somme des 1 sur k au carré, k allant de 1 jusqu'à un certain grand n, et par suite pendant un grand n vers l'infini pour trouver la fameuse zeta de 2. Bon, si vous remarquez, ça ce n'est autre que une suite télescopique. Donc, si je fais par exemple 2, 2 bk sur a2k moins bk plus 1 sur a2k plus 2 égale 1 sur k plus 1 au carré. Donc si je considère par exemple ça comme une suite wk, j'ai 2 wk moins wk plus 1 égale 1 sur k plus 1 au carré. Avec bien sûr wk, ce n'est autre que bk sur a2k. Et je vais sommer cette relation de 1 à un certain, de 0 à un certain grand n de n. Donc j'aurai la somme de wk moins wk plus 1, k allant de 0 jusqu'à un certain grand n, ce n'est autre que la somme de 1 sur k plus 1 au carré, k allant de 0 jusqu'à un certain grand n, que je peux écrire bien sûr la somme de 1 sur k au carré, k allant de 1 jusqu'à n plus 1. Jusqu'à n plus 1. Et je vais faire pendre 1 vers l'infini. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, donc vous savez pour la somme télescopique, donc c'est W0 moins W1 plus W1 moins W0 plus jusqu'à WN moins WN plus 1. Donc on aura des simplifications qui vont se faire. W0 moins W1 plus W1 moins W2. Voilà, donc j'aurai 2 W0 moins WN plus 1. Et je vais remplacer W0, donc c'est 2 fois B0 sur A0 moins WN plus 1 sur les autres que BN plus 1 sur A 2n plus 2 égale bien sûr à la somme des 1 sur k au carré, k allant de 1 jusqu'à grand n plus 1. Bon, maintenant, on va calculer b0 et a0. Donc a0, on l'a déjà calculé. Je pense a0 c'est. a0 c'est pi sur 2. Pi sur 2. Et on va calculer B0. B0, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de t carré. T carré dt. Donc, qui est égal à t3 sur 3, pris entre 0 et pi sur 2. Donc, c'est quoi? Donc, c'est pi sur, c'est pi au cube sur 8. Sur 3, c'est pi au cube sur 24. Voilà. Donc, bien sûr, bn plus 1, la limite de bn plus 1 sur a2n plus 2, lorsque n tend vers l'infini, c'était la deuxième question, je pense. Bn sur a2n, il tend vers 0. Donc ça tend vers 0. Et ça tend donc vers 2b0 sur a0. Donc la somme de la limite lorsque m tend vers l'infini de k allant de 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k au carré, ce n'est autre que 2
B0 sur A0. Et c'est quoi B0 sur A0? Donc, B0, on a dit, c'est pi au cube sur 24. Et A0, c'est pi sur 2. Donc, c'est fois 2 sur pi. Donc, donc ça fait pi carré sur 12 multiplié par 2, c'est pi carré sur 6. Et voilà. Donc, et ça, c'est exactement la fameuse zeta de 2. Donc, on vient de montrer que, bien sûr, pour les gens du cycle, donc cette notation, c'est. Donc, je peux noter cette somme-là, cette limite-là, la somme de k allant de 1 jusqu'à l'infini, de 1 sur k au carré, et qui est égal à pi carré sur 6, et qui est égal aussi à la limite de la suite k allant de 1 jusqu'à grand n, ou n plus 1, ou 1 sur k au carré, lorsque n tend vers l'infini. Et voilà, donc on vient de calculer zeta de 2 en utilisant les intégrales de Wallis. Et sur ce, je vous souhaite bonne révision. Et j'espère que vous allez s'abonner à la chaîne pour avoir plus de nouveautés à jour.